Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à Inkscape. Nous allons voir comment créer un enchevêtrement avec les anneaux grâce à la fonction découpe. Donc je sélectionne cet objet, je vais le déplacer à côté. J'ai créé ici un anneau qui va me servir de base. J'ai un petit peu travaillé, j'ai mis un petit peu de flou là. Je vais le cloner comme ceci. Je vais le placer au milieu. Alors pourquoi le cloner? C'est que si je change par exemple la couleur de cet élément, bah automatiquement, partout sur toute mon illustration, hop, la couleur va changer, donc un gain de temps. Donc cet objet est bien placé, je vais le dupliquer et je vais faire une petite rotation de 60 degrés. Donc je vais ici dans Objet, Transformer, je clique sur Rotation, 60 degrés et j'applique. Alors j'aurais plutôt dû le mettre de plutôt moins 60. CTRL Z, moins 60. Appliquer. Voilà. Je duplique encore cet objet. Hop. Et je fais une rotation de 60 degrés. Appliquer. Tout simplement. Voilà. Bon, vous voyez, c'est très rapide et très simple. On obtient à peu près la même chose que l'illustration de départ. Il nous suffit maintenant juste de créer les découpes. Alors, je vais dupliquer cet objet de façon à avoir deux anneaux, vous voyez, identiques l'un au-dessus de l'autre. Et avec l'outil courbe de Bézier, je vais créer un objet comme ceci. Donc je clique, là je clique, je glisse. Je viens fermer mon objet. Alors pour bien le voir, j'ai mis une couleur rouge. Donc cet objet-là va être découpé par ici l'objet qui est en rouge. CTRL Z, je sélectionne les deux grâce à Shift, je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Voilà. Donc je sélectionne l'objet ici et je vais le déplacer tout doucement vers en bas. Donc là, vous voyez, il passe dessous et il passe au-dessus de celui-là. Là, il passe en dessous comme il faut. Là, il devrait passer au-dessus. Mais ça, on va le gérer après. On va maintenant s'occuper de cette partie-là. Donc là, il faut que ça passe au-dessus, au-dessus et au-dessus. On va créer, comme tout à l'heure, on va dupliquer cet objet. Tac. Donc on a bien deux objets. On va créer un objet de découpe. Je clique, je glisse, je referme. Je mets une petite couleur rouge pour vous montrer la découpe. Voilà. Avec la flèche noire, cet objet sélectionné, je sélectionne celui de dessous. Clic droit, définir une découpe. Et là, miracle, vous voyez, il passe au-dessus, il passe au-dessus. Donc tout est bon. On va gérer, que je dise pas de bêtises, voilà, cet objet-là. Donc je vais le descendre pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est bon, à cet endroit-là, il passe dessous, il passe dessous. Là, il devrait passer au-dessus. Et là, il devrait passer au-dessus. Donc comme tout à l'heure, je duplique cet objet de façon à en avoir deux. N'est-ce pas? Donc CTRL Z. J'utilise l'outil courbe de Bézier et je vais ici maintenant pardon, créer une forme toute simple. Donc je clique, là je clique, je glisse. Je referme mon objet découpe, une petite couleur rouge pour vous montrer. Voilà, je sélectionne l'objet qui est juste derrière, ici cet anneau. Clic droit, définir une découpe. On vérifie, je suis dessus. Là, je devrais être dessous. Donc, mon objet étant sélectionné, j'essaye de le déplacer tout doucement en bas. Hop, impeccable. Là, je suis bon, là, je suis bon. Donc, je suis bon presque partout. Allez, une dernière petite chose et on aura fini l'illustration. Avec ici la petite boule qui a été créée. Donc, je vais la dupliquer. Hop, je vais la déplacer ici. Voilà, je vais vous montrer comment avoir ici le petit arrondi. C'est très, très simple. Alors pour un affichage un peu plus rapide, je vais passer en mode normal. Voilà, je vais pouvoir zoomer. Voilà, c'était pas en mode normal, c'était en mode sans filtre. Voilà. Donc pour créer le petit arrondi, il suffit juste de dupliquer ce cercle-là. Mais on va d'abord passer en mode contour. Voilà. Donc je duplique, CTRL D, je déplace. J'essaye de placer ici ce point-là sur le cercle vert.
Je clique pour avoir le centre de mon cercle que je vais déplacer et grâce au magnétisme, donc là on active toutes ces touches là, ainsi que ici aimanté au centre. Donc je déplace le centre sur l'intersection. Là ça marche pas, voilà, je le mets ici comme il faut. Je clique sur mon cercle pour avoir les poignées de redimensionnement, enfin les flèches, pardon. J'appuie sur CTRL et SHIFT pour que le redimensionnement se fasse par rapport au centre que j'ai mis ici, que j'ai déplacé. Et je réduis comme ceci, de façon à ce que cette partie-là coïncide avec l'intersection ici. Donc je vais désactiver le magnétisme. Voilà. On vérifie en affichage sans filtre ce que ça donne. Et maintenant, je n'ai qu'à sélectionner le gros cercle qui est ici avec Shift et les soustraire. Donc pour soustraire un objet à un autre, c'est CTRL moins ou CTRL Z, où j'aurais pu faire chemin différence. Voilà. Donc on peut renouveler l'opération pour ces deux objets-là. Alors pour aller plus vite, je vais faire une rotation de celui-ci, une petite rotation de 120 degrés et le placer correctement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.